Salut les gens, c'est H, comment allez-vous? Pour part ça, bien aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors vraiment, elle sera très courte et ce sera un titre informatif tout simplement parce qu'aujourd'hui, Supercell a dévoilé qu'ils allaient créer un nouveau jeu grâce à leur site web. Alors en vérité, c'est un petit peu spécial ce que je vais vous dire, mais en fait, ils ont tout simplement dévoilé leur jeu grâce à une offre d'emploi, donc c'est assez original comme manière de faire. Mais en tout cas aujourd'hui en fait ce qu'on peut voir sur le site de Supercell, je sais pas si ça a déjà été fait plusieurs fois ou pas sur la toile, j'ai pas vraiment regardé si ça avait déjà été réalisé par nos youtubeurs suisses, belges ou même canadiens. Donc vraiment excusez-moi si ça a déjà été plagié, mais en tout cas voilà, je voulais juste informer les personnes qui n'étaient pas encore au courant. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous mets directement ici, on peut voir en fait qu'ils essayent de recruter un espèce de GFX. Donc c'est marqué « We are looking for a motivated and passionate game artist to join us ». Donc en gros on recherche un artiste du jeu tout simplement qui est motivé et passionné pour nous rejoindre. Comme on peut le voir aussi, il y a les caractéristiques de l'emploi qui sont marquées à droite, donc qui se trouve en Finlande à Helsinki, qui est donc la capitale, et donc c'est marqué full time, c'est donc en fait un travail à temps plein. Et puis à droite vous avez un petit bouton qui signifie apply, donc en gros apply ça veut dire postuler pour l'emploi. Donc en gros vous pouvez après lâcher votre lettre de motivation etc. pour postuler à devenir donc l'artiste dont Supercell rêve. Et donc on a ensuite après le deuxième screenshot que j'ai trouvé sur internet tout simplement, qui lui, bon bah voilà, indique bien évidemment toutes les espèces de termes du contrat en fait. Donc il y aura une énorme description à ce sujet, donc je vais vous lire la traduction parce que là c'est écrit en anglais, mais du coup moi j'ai la traduction en français grâce à Google Traduction de notre meilleur ami. Il est donc écrit: nous recherchons un artiste de jeu motivé et passionné pour nous rejoindre. En tant qu'artiste de jeu expérimenté, vous aurez un portfolio de qualité éprouvé avec une détermination à repousser les limites et à créer des arts de kick-ass, entre guillemets. Vous aimez travailler dans une équipe et vous avez une approche proactive, c'est-à-dire professionnelle, avec une fin pour assumer la responsabilité à un niveau individuel. Nous sentons que le talent alimente le talent, c'est pourquoi nous travaillons ensemble pour créer les meilleures conceptions possibles. Nous offrons à chacun une chance égale d'avoir un impact sur le résultat final. Donc le résultat final, c'est bien évidemment la création de ce jeu. Nos équipes sont petites et agiles, et nous croyons fermement à la liberté créative d'un artiste. À Supercell, vous avez un pour joindre une petite équipe et créer quelque chose de nouveau, le prochain jeu pour se joindre à Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach et Hay Day. Donc là voilà, vraiment ils annoncent que l'artiste qui va travailler pour eux, qui vont recruter, sera bien destiné à créer tout ce qui sera dans le prochain jeu après Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach et Hay Day. Nous ne croyons pas à une bureaucratie inutile, ni à des artistes solo. Nous sommes tous des individus motivés et axés sur les objectifs qui contribuent à une cause commune. Si ce sont des valeurs qui vous passionnent, alors vous pourriez juste être l'artiste que nous recherchons. Alors voilà les amis, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, juste deux petits points très importants qu'il ne faut pas oublier au niveau des responsabilités exigées par ce poste voilà, que va promouvoir Supercell. Premier point, travailler au niveau du développement d'un style visuel, du design et par-dessus tout par le look tout simplement du nouveau projet. Donc il faut voilà que ce soit vraiment consistant. Et aussi deuxième point, créer des magnifiques personnages, assets, donc ça par contre je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire plutôt de la plateforme, des trucs du genre, des environnements pour qu'ils soient en fait intégrés au jeu. Donc voilà, je sais pas vraiment quel type de jeu ça va être pour moi, ça va plutôt rester au niveau du combat, parce que c'est vrai que Clash of Clans, Clash Royale et Boom Beach ont fait un gros buzz. Alors pas vraiment Boom Beach, mais Clash of Clans et Clash Royale, ça a juste explosé le game. Et puis au niveau de Hay Day, tout ce qui est un petit peu jeu calme et tout ça comme ça, ça existe déjà depuis longtemps et je pense pas que ça va vraiment non plus faire des gros ravages. Donc à part Candy Crush qui a vraiment beaucoup marché, il y a très peu de jeux qui marchent comme ça. Donc voilà, moi je parlerais plutôt pour un espèce de Clash Royale mélangé à du Clash of Clans, mais dans un espèce de troisième jeu avec de nouvelles troupes. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus les amis à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser aussi votre avis dans les commentaires, allez voir dans la description, il y a tous les liens pour mes réseaux sociaux. Je vous engage tout simplement à aller vous abonner parce que je vais faire des énormes concours dessus, donc allez checker tout ça, et histoire que vous soyez abonné, comme ça au moins vous serez directement inscrit quand je vous ferai un petit concours. N'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Corin CR, qui est donc le graphiste qui me fait toutes mes minias. Donc encore une fois Corin, je te remercie, parce que sans toi cette vidéo ne sortirait pas. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, tchuss.